Raconte-moi, muse, cet homme subtil qui erra si longtemps, après qu'il eut renversé la citadelle sacrée de Troie. Et il vit les cités de peuples nombreux, et il connut leur esprit. Et dans son cœur, il endura beaucoup de maux sur la mer, pour sa propre vie et le retour de ses compagnons. Mais il ne les sauva point contre son désir, et ils périrent par leur impiété, les insensés, ayant mangé les bœufs d'Hélios Hyperionade. Et ce dernier leur ravit l'heure du retour. Dis-moi une partie de ces choses, déesse, fille de Zeus. Tous ceux qui avaient évité la noire mort, échappés de la guerre et de la mer, étaient rentrés dans leur demeure. Mais Odysseus restait seul, loin de son pays et de sa femme. Et la vénérable nymphe Calypso, la très noble déesse, le retenait dans ses grottes creuses, le désirant pour mari. Et quand le temps vint, après le déroulement des années, où les dieux voulurent qu'il revît sa demeure en Ithaque, même alors il devait subir des combats au milieu des siens. Et tous les dieux le prenaient en pitié, excepté Poséidon, qui était toujours irrité contre le divin Odysseus, jusqu'à ce qu'il fût rentré dans son pays.